Jules Bénard, je suis chargé de développement à l'Aviron Temps Métropole, donc chargé également de l'organisation de cet événement. On a commencé à minuit, ça fait un bon réveil. Donc on va parcourir, pour aller chercher un record du monde, on va parcourir 1000 km sur un rameur. Donc on va ramer quasiment non-stop pendant 3 jours. On est une équipe de 10, on va continuer de se relayer. Voilà, on a un petit live, on est place Anatole France, donc pour faire le record du monde. Il va y avoir beaucoup d'animations qui vont se faire les samedis et dimanches par rapport au climat, par rapport au sport santé également, parce qu'on a des associations comme les Dragon Ladies qui vont venir faire un peu de sport pour promouvoir le sport santé. Les jeunes ambassadeurs pour le climat qui sont co-organisateurs avec nous, donc qui vont être là pour faire des fresques du climat et de la biodiversité. Et en parallèle de tout ça, bah, tout sera filmé, tout sera retransmis sur notre chaîne YouTube Aviron Temps Métropole pour soulever justement des dons, 50% qui partiront à Planète Mer, donc qui lutte, une association qui lutte justement en France pour la préservation des milieux marins et aquatiques, et une autre partie de 50% qui sera mise en place dans le cadre du projet du club sur l'environnement pour un réservoir d'eau, un récupérateur d'eau de pluie pour nettoyer nos bateaux sans utiliser d'eau potable et ainsi être respectueux de l'environnement.